Bonjour et bienvenue sur sifanews.fr. Aujourd'hui, je vais vous parler de brassage avec une marque qui est assez récente puisqu'elle a un an, deux ans d'existence. C'est la marque Rossmont, qui est une marque italienne. Et cette marque fabrique principalement des pompes, notamment des pompes de brassage. Et ici, ils nous ont envoyé deux produits, donc le Rossmont Mover et le Rossmont Waver, qui va permettre d'un côté de brasser le bac de manière traditionnelle et de l'autre côté de contrôler ce brassage. Et donc c'est des pompes qui sont toutes simples que vous branchez, donc il y a un aimant, système d'anti-vibration et vous avez dessus une grille, vous avez un système de protection pour les poissons. Vous avez possibilité d'avoir un cône à 60 degrés ou un cône à 120 degrés pour la sortie de pompe, permettre un flux large ou un flux beaucoup plus serré. Ce qui est important de savoir, c'est que ces pompes ont 8 références. Donc on a la 3004, la 4006, la 5008, la 7002, la 9008, la 11600, donc qui est ici, la 13400 et la 15200. Donc ça fait 8 références de puissance, donc c'est toujours en litres par heure. La plus petite consomme 5 watts, donc la plus grande consomme 24 watts, et pour un prix compris donc en single, c'est-à-dire juste une seule pompe, entre 55 et 140 euros pour la plus chère. Si vous voulez acheter un Advance Pack, c'est-à-dire deux pompes en un seul pack comme ici, elles sont comprises entre 99 et 245 euros. Et enfin, le pack Quadra, le plus cher, est à 450 euros. Donc, si vous avez 4 pompes, par exemple, de 15200. Donc, si vous rajoutez à ça un contrôleur, si vous avez deux pompes, deux contrôleurs, si vous avez 4 pompes, vous avez un coût de 200 ou 400 euros supplémentaires pour contrôler l'intégralité des pompes. Sachant qu'il n'y a pas besoin d'accessoires supplémentaires, les deux boîtiers vont communiquer entre eux pour se synchroniser et avoir un brassage optimum. Ces pompes se branchent tout simplement sur du secteur et vont se contenter de pousser leurs 11 600 litres d'eau par heure. Alors vous allez me dire, qu'est-ce qui fait l'originalité du truc? C'est que tout simplement, les premières pompes sont à un prix ridicule. Vous les trouvez à environ entre une cinquantaine et une soixantaine d'euros. Et le fait d'acheter en pack, vous allez pouvoir bénéficier d'une économie puisque vous en achetez 2, 3 ou 4 en même temps. Une fois que ça c'est fait, vous avez un autre appareil qui va permettre d'apporter l'intelligence à ces pompes-là. Donc c'est le Waver. Le Waver, c'est une centrale de contrôle pour ces pompes-là qui va permettre de contrôler via une application smartphone ou un ordinateur tout simplement vos pompes. Donc dessus, cet appareil, donc c'est tout simplement un boîtier avec un adaptateur de 120 volts. Vous branchez directement sur le courant. Et dedans, vous avez deux slots qui vont permettre de brancher les pompes, tout simplement, et de les piloter et de les alimenter en même temps. Donc, c'est vraiment un point de relais. L'avantage de ce boîtier, c'est qu'il est autonome. Il peut s'inscrire aussi dans un écosystème beaucoup plus large avec un autre boîtier, pour faire, par exemple, du chaînage de plusieurs pompes, ou tout simplement avec une centrale de contrôle beaucoup plus large qui va permettre de contrôler, par exemple, des paramètres et d'autres équipements que nous n'avons pas encore aujourd'hui, mais ça fait partie des possibilités qui sont décrites dans la documentation. Ce qui est intéressant donc avec ce produit-là, c'est que c'est vraiment un produit en palier. Vous commencez avec une pompe, vous en achetez une deuxième, vous en achetez quatre en même temps. Et après, derrière, vous avez donc cette centrale de contrôle qui est complètement pilotable par smartphone. Donc, vous avez une intelligence d'un côté et de l'autre côté, vous avez la partie brassage. Et tout ça pour un prix relativement modeste puisque la centrale de contrôle est vendue aux alentours de 200 euros aussi selon les revendeurs et les différents réseaux. Donc, on va mettre en test ces produits très rapidement. On va vous les montrer en détail déjà pour que vous puissiez regarder un petit peu ce qu'il y a dans les packages et voir un peu le produit en lui-même. On va le mettre aussi sur un bac de test pour vous montrer un peu comment ça brasse de manière unitaire, comment ça brasse au niveau de pompes mises en situation aussi. On va faire des mesures de débit, de bruit, enfin tout un tas de batteries de test qui vont permettre de vous rendre compte du fonctionnement et de l'efficacité de ces produits. Et de l'autre côté, on vous montrera aussi le Waver en lui-même qui va fonctionner, comment il se configure, comment l'utiliser et comment il s'intègre dans le système avec les movers. Chose importante, c'est que l'application qui est livrée avec permet d'un réglage assez dynamique des pompes avec des systèmes de courbes et c'est assez original, donc ça va permettre de jouer et de faire des belles choses au niveau du brassage. Si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à participer à notre communauté. Vous pouvez liker notre page, vous pouvez aussi liker notre YouTube, ça nous aide. Le compteur qui grimpe, c'est toujours agréable, ça veut dire que les gens apprécient ce qu'on fait. Vous pouvez aussi participer à votre expérience sur la configuration du brassage et nous expliquer comment vous faites du brassage. Je vous invite aussi à regarder la vidéo de Claude de Thunes qu'il a fait avec nous lors des 45 ans du Poisson d'Or. C'est très instructif, ça fait 50 minutes à peu près, mais il explique un peu comment brasser un bac, comment configurer les pompes, etc. Donc, quelle que soit la marque de pompe que vous avez, c'est quelque chose qui va être intéressant pour vous. Et je vous dis à très bientôt sur sifanews.fr et surtout participez avec nous, c'est important les échanges et de montrer que vous êtes attaché à la communauté. À très bientôt.